Golf Mag est très fier de s'associer à cette marque prestigieuse pour vous offrir des conseils d'équipement présentés par Golf Town, le leader en ajustement personnalisé. Maxime, il y a beaucoup d'avantages à marcher un terrain de golf plutôt que de le faire en voiturette électrique. On sait que la santé recommande de faire 10 000 pas. Les fais-tu, toi, tes 10 000 pas? J'essaye. Alors, tu as juste à jouer ton 18 trous ou ton 9 trous, puis tu vas avoir fait tes 10 000 pas parce qu'on sait que c'est à peu près 10 km à ouais. Jouer un 18 trous. Il y a deux types de marcheurs au golf. Peux-tu nous en parler? Oui. Il y a des gens qui vont jouer avec leur sac sur un chariot. Il y en a d'autres qui vont vouloir porter leur sac sur leurs épaules. Heureusement pour eux, maintenant, il y a plusieurs sortes de sacs. Donc, il y a des sacs qui vont se mettre littéralement comme un sac à dos sur les épaules. Ces sacs-là vont être faits un petit peu plus légers. Les coussins aussi qu'on se met sur les épaules vont être très confortables. Donc, c'est des sacs qui sont faits vraiment plus légers pour pouvoir marcher son 18 trous sans avoir à trop forcer, mis à part que les bâtons sont dans le sac avec quelques balles. Ouais. Donc, pour ceux qui veulent marcher, mais qui ne veulent pas mettre leur sac sur leur dos, il y a différents chariots qui se vendent. Il y a des chariots électriques, il y a des chariots manuels. Okay. Pour les deux, il existe des accessoires super le fun qu'on peut soit mettre un porte-parapluie, sinon un porte-bouteille. Les chariots manuels, ce qui est le fun, c'est qu'ils se plient vraiment petit dans la voiture après le match. Donc, ça va vite, ça prend pas de place, on aime ça. Sinon, pour les chariots électriques, ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin de le pousser, le chariot. Okay. Donc, ça devient comme un caddie personnel qu'on se promène avec notre manette et on l'envoie où on veut. Donc, ça, c'est super le fun. On peut le recharger, la batterie est longue et bonne. C'est plus dispendieux, ça demande un petit peu d'entretien, mais c'est un pensée bien parce que c'est super le fun à avoir. Donc, ça favorise les gens de marcher. Ouais. Puis on sait maintenant, on est en juillet, il fait chaud, hein, on n'oublie pas de se protéger du soleil. Avec toi, la crème solaire. Tu joues-tu un peu? Oui, je joue. C'est bon, ça. Tu mets-tu des souliers légers quand tu marches, toi? Oui, je mets des souliers un peu plus légers quand je marche. C'est mieux, hein? Ouais. Le parapluie, c'est aussi le fun, on peut se mettre en dessous quand il fait très chaud. Oui. Donc, merci. Merci à toi.